Et bonjour. S'il vous plaît, c'est pour un retrait. Merci. Voilà, j'ai tout pété hier déjà et je recommence, il fallait pas remettre. Ah ça y est. Ah c'est cool. Elle a du truc elle. Allons se dépêche là. On se dépêche. Allez, on se dépêche, j'ai dit. Eh, tu bouges le fion là? Plus vite! Aïe! Il y a combien? J'ai pas regardé, il y en a 17, hein, d'accord. Ah, j'ai attrapé les rougeurs. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. En plein braquage, j'ai des rougeurs. C'est pas possible, ça. Super. Ah du coup ils pourront pas s'approcher de moi les flics. Monsieur, arrêtez-vous. Et c'est parti. Ah, j'espère que je vais pas me faire choper. Ouais, ça chasse trop du cul, celle-là. Arrêtez-vous. Ah non, j'ai pas envie. 30-36, ouest. Aïe, oh là là! C'est pas ce que je voulais faire. Non, Jojo, je pense qu'il va se faire choper là, Jojo. Jojo, il est pas bon en course-poursuite. Hein. Là, où c'est qu'il va, Jojo? Où c'est qu'il va?
Oh là là, et voilà, oh voilà. Oh là. Je sais pas ce qu'il fait, Jojo. Oh, il a eu! Ah, je l'ai semé! Je rêve, je l'ai semé! Ah, je l'ai semé! Oh là là! Ah, Jojo, il l'a semé en faisant n'importe quoi! Oh là là. Ah ouais, c'est super. Ah ouais, j'aime bien. Hola. Oui, bonjour monsieur. J'ai monsieur Nourrice qui m'a donné votre numéro. Si, bonjour. Bonjour. Il m'a dit que vous recherchiez du monde pour faire travailler. Si, exactement, on a du boulot. C'est quel type de boulot, monsieur? Bah, je vais pas te mentir, amigo, c'est pas du boulot conventionnel. C'est pas le genre de boulot qu'on te propose dans une société. Ah, j'y vois, j'y vois. Ah, d'accord. Ouais. Mais c'est un boulot bien payé. Si tu as des objectifs de vie pas trop gourmands, tu peux les atteindre rapidement avec nous. D'accord. Tu serais intéressé, amigo? Bah, ouais, ça dépend, parce que là, si vous voulez, moi je fais des... Comment dire, je vais voir Ginette, on va dire. Si, si, c'est très bien. Mais des petits sacs. Ouais, tout à fait, ouais. Tu sais combien je te les reprends, moi? À combien, monsieur? À 115 $ l'unité. Oh là là. Ouais, d'accord. Ouais. On a dû te proposer du 80 $ un petit peu partout en ville, c'est. Ouais, du 60, du 80, tout ah, ça, du ouais. 60 même, putain, ils se font pas chier, ces enculés, là. Eh ben, moi, je te les reprends à 115, amigo. Ah, ça m'intéresse, ça. Si, tu peux en parler autour de toi. Si d'accord. Tu as des gens avec qui tu fais des supérettes, on reprend. D'accord. Et on propose pas que de supérettes, amigo, tu sais quoi? Ah, d'accord. On peut vous donner des peu de produits que tu distribues dans la rue, si? Ouais, ça, après, c'est un peu long, ça rapporte pas les masses, c'est mieux. Supérettes, ah, tu serais surpris de savoir les taux qu'on pratique. Ah, d'accord. Et sinon, vous faites partie de quel, on va dire, de quel gang? Les Vagos, si. Ah, les Vagos, ah bah justement, ouais, j'avais aucun contact avec vous, j'avais peur que j'allais venir dans votre quartier. On est un petit peu discret en ce moment. On va dire, on faisait une petite période de restructuration, un petit peu comme partout aussi. D'accord. Il y a des nouveaux business qui se profilent à l'horizon, du coup là on a besoin de recruter, en masse. Ouais, je vois. Et quand je parle de recrutement, c'est pas des larbins. Les larbins, c'est ce qu'ils appellent les petites mains. Nous, les petites mains, on les accompagne dans la rue, on les forme. On leur donne les ficelles du métier, si. Ouais, je comprends. Oui, mais écoutez... Les pourcentages que tous les autres y pratiquent, là, les 30% à la con, nous, c'est beaucoup plus que 30%. Ouais, je vois. C'est pour ça que tu me dis t'es pas bien payé, mais chez nous, t'es bien payé à faire ça. D'accord. Très bien payé, même. Ouais, je comprends. Et le Jeep que vous avez donné, j'ai pas regardé, en fait. C'est votre 91-66, c'est pas loin de notre quartier, il y a un petit parking. Si tu veux aller là-bas, on peut discuter. 91-66, ok. Okay, non, okay. 91-60. Ah, pardon. 91-60. Ok, je vois. Tu verras, il y a un peu de parking dégagé. On peut se mettre là et discuter si tu veux. 91-60. Ouais, il m'avait donné 90-60. C'est pas la même chose. Mais écoutez, là, je suis en train de je vais essayer de faire d'autres supérettes. Mais là, pour le moment, ils ont donné que je suis tout seul. Je peux passer vous voir après? Je peux enregistrer ce numéro et vous rappeler? Oui, tu l'enregistres et tu notes Nier Moya. Seigneur Moya, d'accord. Il n'y a pas de souci. Je vous enregistre et je vous tiens au courant dès que j'ai des sacs pour vous. Eh ben, c'est gentil. Ben, merci, monsieur Moya. Bonne journée. Au revoir. Ouais, c'est bizarre qu'il s'arrête, lui. Je me casse. Monsieur Abo. Allez, go, 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 go.
Ouais, là j'y tiens pas. Là. Oui, oh là là, là c'est la merde si je me fais raquer. Oh là là. Ah, je les ai semés encore. Vite, Jojo, vite, c'est clair. Aïe aïe. Ah, j'ai même carré là. Sors, espèce d'âne. Sors, appuie-toi. Popom popopopopom popopopopom popopopopom. Ah 13, oh c'est abusé, ah non ils sont chauds ce matin, chaud chaud chaud. Ouais. Ouais Nils, salut. Salut, ça va? Ça va, ça va. Là, je suis un petit peu en train de m'enfuir, là. Mais ça va sinon. Qu'est-ce que tu fais encore? J'ai dit bonjour à Ginette. Ah. Voilà. Ah, c'était peut-être pour toi celle qui a failli me défoncer la gueule que j'ai croisé sur la route. Ah, celle des pentes, c'est où? Parce que j'étais dans le nord. Ouais, bah ouais, dans le nord, ouais. Ah, donc, un peu. Une voiture blanche. Un peu ralenti, je crois. Ah, c'est bien ça, j'aime bien. Merci. Ils ont essayé de me shooter en sortant d'un virage, j'ai fait olé. Oh là là, ouais, ouais non, ça devait être moi ouais, qui poursuivait parce que j'ai un peu percuté sans faire exprès. Bah, y a un con en moto en fait, si tu veux, du BCSO qui est arrivé en face. Eh. Et forcément, contre la voiture, ça fait paf le chien quoi. C'était pas la meilleure idée quoi. Ah non, bah non, non, non. T'as une moto, t'as une voiture qui t'arrive en face, bah je sais pas, tu lui fonces pas dessus quoi. Ouais, bah ouais, je comprends bien. Oh là là. Tout ça pour 13 sacs en plus. Hein. 13 sacs. Ah ouais? Ouais, ils sont arrivés trop tôt. Pas mal, pas mal. Bon, là j'ai besoin de quelqu'un qui souffle, si tu veux, parce que je suis tout seul. J'en ai fait déjà 36 ce matin. C'est ouais. Mon deuxième 10-31. Ils sont un peu chauds du cul là. Ouais, ils sont chauds là. Ouais, ils sont un peu chauds, ouais. Ah oh bon? Qu'est-ce bah qu'il oui. fait, Ramon là? Bah, je sais pas. Allez, Ramon, Ramon, ta fraise. Attention avec tes talons quand même sur la carrosserie. Ah oh, pardon, non, t'as vu oui. comment je me suis habillé pour l'entretien? Ah c'est bien, classe, c'est classe ça. Et tout hein. Ah moi j'ai dû me changer aussi. Je me suis changé de fringue. Oh, c'est pas mal comme ça. Ouais, c'est bien, comme ça, ouais. Regarde, ouais. J'ai trouvé une technique de fou quand j'ai ma canne en main. Je fais ça. Ah mais ça y est, t'as acheté une canne? Ouais, j'en ai acheté deux sans faire exprès en plus. Oh là là. Ah bon, ma voiture elle a fait... Ah bah Ramon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Sacrée présentation, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous avez une carte d'invisibilité ou quoi? Oh là là. Ah ouais, d'accord. Non, en fait, il a rien vu. Je vous entends. Ouais, ouais, tu peux nous entendre, ouais. Allô, Ramon?
Ah, tu nous as défoncé les bagnoles. Ouais. Ah, les deux bagnoles. Ah merde. Oh putain. Attendez, je recule un peu là. Ouais, ouais, recule un peu, ouais. On va fermer la clé. Là, ça fait strike. Ça commence bien les présentations. Attends, je vais regarder la mienne. Bon, désolé pour l'aventure. Hein. Ouais, y'a pas de mal. C'est pas grave. Hein. Va, c'est moi qui l'ai abîmé comme ça, celle-là. Oui, oui, c'est que de la carcasse. Hein. Attends, je crois que tu t'as griffé ma voiture. Fais attention. Hein. Ah, c'est bon, j'ai garé là. Là, c'est bon, ça, c'est mieux. Bah, alors voilà, ça c'est Ramon, ça c'est Nourrice. Voilà. C'est moi. Ah bah, enchanté. Enchanté, monsieur. Enchanté, hein. C'est Monsieur Studio, il m'a dit que vous travaillez avec lui maintenant. Hein. Bah, ouais, bah, c'est ça, on s'est rencontré hier. Et... Vous avez rencontré le baron hein? Ouais, ouais, je l'ai rencontré. Ah, oui, d'accord. Un peu, il nous a expliqué un peu, enfin en tout cas moi, je connaissais, mais ses projets, voilà, même si bah c'est oui. Pas très clair, ouais, je... Ah bon, c'est ça, pas clair c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est pas clair? Bah non, non, mais c'est un animal qu'il recherche, mais que personne ouais, n'a vu. Ouais, c'est ça, c'est... ouais, c'est ouais, ouais. Ne hein. S'inquiétez pas, on va le trouver. Hein. Ah, j'ai cru qu'on allait avoir des problèmes avec le monsieur au 4x4 hein, quand même. Ah bon? Moi j'ai aucun doute, hein. Mais... j'ai aucun doute qu'on va le trouver. Hein. Ah, ouais, ah, c'est ça, il est un ah, petit ouais peu poussé, là, voilà. Oh là! Oh là là, moi j'ai peur des chiens. Des chiens? Où c'est qu'il y a un chien? Vous avez pas entendu? À mon avis, il est dans un coffre parce que j'en vois pas. Ah, c'est ça? Vous avez mis votre chien dans votre coffre? Mais je pense non, que non, non. C'est le monsieur dans le 4x4 là. Ouais, je crois que c'est. Ah, c'est lui qui avait un chien dans son coffre? Ah, d'accord. Ah, c'est possible. Quoi donc, t'as raison. Ah, bah il est là. Les seigneurs, quand même. Et bonjour. Ça va bien, Maria et toi? Et ça va. C'est toi, Jojo? Ouais, c'est moi, Jojo. Donc, je vous donne les sacs alors. J'en ai que 13, hein. Désolé, non, mais. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Il y a un agent du BCSO qui a fait paf le sien, donc. C'est vrai. Il me cherche un peu, je pense. Pas de problème. Alors, attends, je vais sortir ma calculette. On avait dit 115. Espoirs 13, c'est. Fait 1495 pour toi. T'as vu, c'est bien payé. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est bien. C'est bien parce que ouais c'est dommage ils sont arrivés un peu tôt hein, sur les lieux mais bon. Ils ont été rapides ce coup là. Et merci bien. Y'a pas de problème. Donc fais passer le mot autour de toi Jojo. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Dis bien haut et fort, tu peux le crier partout si tu veux. Bah après je travaille un peu avec tout le monde. D'accord. D'accord, d'accord. Et qu'on ouais a des tarifs très attractifs, tu pourras en juger témoin. Ouais ouais non bah là clairement oui c'est attractif hein, c'est bien. Ouais c'est là, cool. Au début tu fais des sacs pour nous aussi. Et comme je te disais, si tu veux faire des petits pochons, il n'y a pas de problème. Sache que on est bien au-delà des 30%. Si d'accord, d'accord, d'accord. Ce sera très intéressant pour toi aussi. Parce que ouais, les superettes, c'est bien, mais c'est risqué et ton casier s'allonge vite. Oh bah là, pour le moment, il n'y a rien du tout. Hein. Ils m'ont jamais chopé ni à vendre de la drogue, ni à faire des superettes. Ils sont un peu. Bon, ils sont pas très doués, on va dire. Bon, tant mieux pour toi alors. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, je suis bon, content bah, d'avoir. Je te laisse, du coup. Ouais, ouais, pas de soucis. Je suis content d'avoir fait la connaissance des jaunes, je vous connaissais pas encore. C'est cool. Oui, on est cool, tu vois. Ouais, ça, c'est. Parce qu'on m'avait dit des trucs comme quoi vous tiriez à vue et tout. Ah bah, regarde, est-ce que je t'ai tiré dessus? Ah bah, non, non, non. Heureusement, encore c'est cool. Non, pas encore. Non, non, ça va, merci. Je vais me tenir ça, je promets. Si, t'es sûr? Ah, sûr, sûr, sûr. Et c'est bon, je rigole avec toi, Jojo. Et une bon. Bonne journée, monsieur. Si. Et à une prochaine et fois. Sache que si tu me ramènes des petites mains, si tu me ramènes des collègues ou quoi, il y a des bonus. Ah c'est cool, ouais bah je vais peut-être vous ramener du monde alors. Ramène-moi du monde, moi je ferai le nécessaire pour te remplir les poches. Ça marche. Bah, allez, bonne journée à vous. Bonne journée à toi, bon dimanche.